baroudeur. Je suis pas baroudeur. Ouais, c'est pour moi, vous serez toujours un baroudeur. C'est un peu comme Dominique, vous avez son problème de tout à le regard. Même si vous êtes des photographes, vous avez son problème de regard. On baroude pas. Quelle force, quelle puissance dans la pensée, etc. Mais bon, là, je regardais, là, on parlait de l'Ukraine, il y avait Jacques Sapir qui passait, des gens comme ça, ou élus. Il y a tellement de gens qui pensent, des idées, etc., qu'on n'a plus en Europe. Je veux dire, c'est quand même encore un endroit très privilégié, la France, qu'il faut conserver. Faut acheter des livres. Non, mais c'est vrai, ça, c'est parce que je peux vous assurer que, bon, pour être dans les médias depuis près de 50 ans, la richesse est libre. Moi, j'ai fait ma carrière grâce au livre, vraiment. Parce que quand je vais voir quelqu'un, j'arrive à décider, à trouver, en fait, 50 000 euros et 100 000 euros, c'est parce que j'ai lu 3 ou 4 bouquins en disant, voilà, ben ça. Le mec, il me regarde, comme il regarde la télé, il ne connaît rien, il dit, putain, merde, comment il a fait ce mec. Et je veux dire, parce que je regarde des livres, je regarde. Et ça, c'est formidable, et je suis content d'être ici, on est quand même à Gaillac. Excuse-moi, j'ai mis, depuis ce matin, je suis parti à 9h, la dernière partie de la route, les 60 derniers kilomètres, c'était quand même rock'n'roll. Rôle. Et lui, arriver dans un bled, ici, de voir une librairie, de voir des gens qui écoutent, etc. Mais je veux dire, ça, c'est la France. Nulle part ailleurs, non, ça. Nulle part ailleurs. C'est le seul endroit. Ailleurs, c'est plus. C'est le seul endroit au monde pour vraiment me balader partout. Hein. Et aussi, il y a d'autres trucs, hein, d'autres artisanats formidables, hein, comme le vin, les boucheries, les trucs comme ça, qu'on trouve nulle part ailleurs. Et ça, c'est une qualité qu'on ne peut pas. Qui est assez exceptionnel, qui ne va pas durer, hein. Ça ne peut pas durer éternellement. Hein. Mais tant que vous êtes là, vous n'êtes pas nombreux, il faut faire participer, il faut dire aux autres, faut dire, regardez, il est formidable, c'est le cahier de l'herbe. C'est extraordinaire. Tout le monde va en avoir un. Voilà. Parce qu'il y a toujours un auteur qui a... Il est là, je vois, je l'adore. Et c'est là, je veux dire, la vraie richesse, que ça soit intellectuelle ou même financière, c'est dans les livres. Parce que c'est là où vous trouvez des choses. On ne les trouve pas ailleurs. Vous ne verrez pas. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, la télé, etc., vous n'aurez rien. Vous êtes un esclave. Vous êtes une... Alors que les livres vont vous donner la puissance, le potentiel, les idées qui sont là, les mecs ont des bouquins. 400, 500 ex, etc. Vous ne gagnez pas d'argent. Là, j'ai ce bouquin, là. Tout ça, là j'ai mis les archives de Morvan. Mais ça me coûte de l'argent. Hein. Je ne gagne pas d'argent. Le bouquin là-bas, quand vous gagnez 3000 balles en sortant un bouquin qui a un best-seller à 2000, c'est génial. Mais là, vous ne faites pas d'argent. Ce qu'ils font, c'est du sauver les vies, etc. Ça, mais il y a quand même cette passion, cette volonté d'informer les autres, etc. C'est ça qui est intéressant. Là, j'étais en Ukraine, j'étais avec les Russes à Mariupol, dans cette ville aujourd'hui qui est sinistrée, et je connais bien l'Ukraine pour plusieurs fois avec les combattants, mais je disais, vous n'imaginez pas la chance que vous avez de vivre ici. Alors que, bon, ça fait quand même près de 50 ans que je couvre des conflits de par le monde, et qu'il y a très peu de pays qui ont cette chance d'avoir cette possibilité. Avec les aides sociales, avec la sécurité sociale, etc., de faire des choses, d'être en bonne santé, de pouvoir faire. Regardez cette librairie, elle est incroyable, cette librairie, magnifique. Mais quelque part, je dirais, je mets le verre dans le fruit. Il faut quand même réfléchir à ce qu'on est réellement, et etc. Alors, je ne dis pas que j'ai raison, je ne peux me permettre pas de ça, mais l'important, c'est de douter en permanence et de réfléchir. Et c'est très bon. C'est pas simple, mais d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est le challenge, parce que sinon, vous allez de l'autre côté, passer par la Pologne, etc., vous allez à Lviv ou à Kiev, et ça, après, c'est le workshop, hein. Après, vous êtes pris, vous avez 3000 autorisations de filmer, de photographier qui ont été données à Kiev. Donc, ils n'ont pas besoin de vous. Une fois à Mariupol, vous avez pu travailler. J'ai pu faire ce que j'ai voulu, ouais. Sauf... aller à la Syrie, j'étais pas très loin, moi j'étais plus loin que le théâtre. J'étais après le théâtre,
Et là, il y a des déchets ukrainiens, etc. Il y a des Ukrainiens de... alors, j'étais à l'Edforge, l'Azov, le quartier général Azov, c'est vraiment des nazis. Il faut arrêter de connaître l'Azov. C'est vraiment des putains de nazis. Avec des grands gamins, des trucs, des portraits de pierre, tout, tout, tout. C'est vraiment ça. Donc, ils sortent de... Bon, je ne parle pas de tous les Ukrainiens, hein, je parle de l'Azov. Hein. Donc, ils sortent de l'Azov, etc. Ils font entendre des snipers. Il y a des cadavres partout, ils s'entretuent, les Russes bombardent, etc. Tout un tas de gens, etc. Mais les mecs sont planqués. Les Russes, ils font ça à l'ancienne, hein, comme en 45, hein, je veux dire, ils tabassent. Hein. Et il y a des moments où vous n'allez pas plus loin, parce que quand il n'y a plus de bruit, vous avez plus... j'ai fait un article dans Stern, là. Et là, je dis un truc, elle a repris la fille dans Stern, le journal allemand. Et elle dit un truc, c'est que c'est très dangereux quand on n'entend plus les oiseaux chanter. Ce qui est très vrai. Quand vous n'avez plus d'animaux, quand il n'y a plus les chiens, quand il n'y a plus d'oiseaux qui chantent, là il faut faire attention. Parce que ça veut dire que là les mecs sont là. Parce que les animaux, c'est le truc qui vous prévient en premier. Parce qu'il n'y a que des morts. Et après, il n'y a que les animaux, ils ont peur. Et les animaux, ils sont très bien mangés. Donc c'est eux qui vont en servir. Savoir que la Russie, c'est une création de Google. Oui, mais on est au 28e siècle, on en pouvait. On pensait, sans doute à tort, que maintenant il y avait quand même une rivalité internationale. En revanche, le seul truc que moi je retiens, c'est que c'est la fin de la mondialisation. La fin de la mondialisation. C'est-à-dire de l'espace économique collectif. J'espère, mais je ne pense pas. Peut-être qu'enfin, on va se remettre dans nos pays à créer, à travailler, à être créatif, à être travailleur, etc. Et ce qui était l'Europe, hein, le phare démocratique, et revenir, on n'avait pas besoin d'utiliser des genres. Là, je montrais le premier portrait sur les diplômes, etc. On a refait la France avec des Noirs et des Arabes, excusez-moi le terme. Mais après, ces gens-là, je sais, tout un tas de bouquins sur les gangs, etc., etc. Mais ces gens-là, une fois qu'ils coûtaient un peu cher, ils étaient dans la situation, on a dit, ils font chier, maintenant il faut les payer comme les Français, on va aller chercher des Chinois et des trucs, on ne verra pas. Donc c'est fini tout ça. Et à un moment donné, il faut se remettre à travailler, il faut se tricher dans les mains, il faut y aller, cultiver la terre, il faut aller sur les machines d'usine, il faut faire des choses. Quoi. On ne peut pas faire travailler tout le temps les esclaves. On s'est pris pour la moderne Athènes en Europe.